Et yo tout le monde, du coup j'espère que vous allez bien comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur comment avoir le nouveau pack de célébration du PS Plus gratuitement les gars. Alors c'est très simple, déjà il vous faudra une PS4 pour récupérer ce pack, ce qui paraît logique parce que ce pack n'est uniquement disponible que sur PS4. Et ensuite il vous faudra le PS Plus qui coûte 9€, donc ce pack est entre guillemets gratuit. Pour ceux qui ont le PS Plus depuis très longtemps, voilà, vous pourrez récupérer ce pack. Je vous montrerai par la suite comment le récupérer et où est-ce qu'il se trouve. Alors les gars, pour mon avis en tout cas, je trouve que ça fait un petit peu cher parce que il faut bien entendu, comme je vous ai dit, une PS4, mais le PS Plus coûte 9€, donc le pack de cette célébration vous êtes offert si vous avez l'abonnement, mais vous avez quand même payé un abonnement au mois ou à l'année aux alentours de 9€. Et pour ceux qui ont pris d'autres versions, par exemple à l'année, c'est à peu près 50€ à l'année. Donc voilà, ça fait assez cher pour un petit pack. Alors qu'est-ce que contient ce pack les gars? Il y a tout simplement dedans la pioche pointe parfaite, donc une petite pioche. On a un revêtement patrouille précise, et après on a deux petites choses assez inutiles, donc l'émoticône quoi et une bannière, ce que pratiquement personne utilise. Voilà, dites-moi d'ailleurs les gars en commentaire si ça vous intéresse réellement, des émoticônes et des bannières. Honnêtement, je pense qu'on s'en fout vraiment. En tout cas, pour ce nouveau pack, je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas de skin. D'habitude, on a l'habitude de voir au moins un skin avec son sac, peut-être la pioche des fois s'ils le mettent ou quoi. Et là, on a uniquement la pioche et le vêtement. Bon, en tout, enfin, ça va, mais comme je vous ai dit, pour le prix, sachant que c'est 9€ l'abonnement PS Plus le moins cher, ça fait quand même cher la pioche et le vêtement. Comme d'habitude les gars, si vous voulez voir à quoi ressemble la pioche ou le revêtement en jeu, je mettrai le gameplay en fin de vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir la fin de la vidéo si vous voulez voir comment ces items rendent en jeu. Et n'hésitez pas aussi les gars à me donner votre avis en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez de ce pack, est-ce que vous le trouvez bien ou pas bien, et est-ce que vous trouvez que ça vaut le coup tout simplement de dépenser à peu près 9€ pour un abonnement pour avoir ce pack qui vous est offert. Comme je vous ai dit, on met des petits guillemets parce que bien évidemment il faut payer le PS Plus, mais en tout cas il vous est offert par Epic Games si vous avez l'abonnement tout simplement. Donc c'est toujours ça, deux prix. Si vous avez l'abonnement depuis longtemps, bah au moins vous avez une petite pioche et un revêtement gratuit. Ensuite, pour ceux qui se demandent comment récupérer ce pack, c'est très simple. Vous allez sur le PlayStation Store, vous tapez tout simplement Fortnite ou pack de célébration. Donc si vous avez tapé comme moi Fortnite, vous descendez et là on voit tout simplement extension Fortnite pack de célébration. Vous cliquez dessus, il y a bien marqué gratuit si vous avez tout simplement le PS Plus. Et là vous faites ajouter au panier si vous êtes sur la page web comme moi. Et si vous êtes directement sur le PS Store depuis votre PS4, ça sera tout simplement marqué télécharger uniquement si vous avez tout simplement le PS Plus. Donc les gars, je le répète, c'est très important parce que beaucoup de personnes me disent que ça marche pas, mais c'est tout simplement que vous n'avez pas le PS Plus. Donc voilà, si ça ne marche pas, c'est que vous n'avez pas l'abonnement tout simplement et vous ne pouvez pas récupérer ce pack. Si vous l'avez, vous avez le pack gratuit. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas récupérer le pack. Sur ce les gars, comme d'habitude, je vous laisse avec le gameplay en fin de vidéo. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Sur ce, je vous laisse, à plus et à la prochaine.